Bienvenue à cette revue de presse. Crise dans l'Est de l'RDC, une lecture géostratégique s'impose, fait remarquer le potentiel. Selon le confrère, les prémices sur lesquelles tout stable ne sont pas bonnes. Les agresseurs bénéficient d'un traitement des faveurs alors que la victime est contrainte à se plier à toutes les exigences au nom des impératifs diplomatiques. Sur la même question, Le Phare note que l'UNC craint le pire. Le président de cette formation politique, et cite Le Quotidien, s'est dit interpellé par un Congo à genoux et pleurnichard. Les détails, c'est à lire dans le colonne du journal. Pour la République, Caméré a sa part des trahisons dans cette guerre. En ce sens qu'en appelant au dialogue entre Congolais pour résoudre l'équation M23, la thèse rwandaise d'un problème congolo-congolais est accréditée et bien plus, la voie à des concertations avec des soldats indisciplinés est ouverte. Quant au 14e sommet de la francophonie, Le Potentiel annonce dans ses colonnes l'arrivée depuis dimanche soir d'Abdou Diouf et Clément Duhaine, respectivement secrétaire général et administratif de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Le journal renseigne que 56 pays membres et 19 observateurs participeront à ces assises. Au niveau du sport, la Colombe revient sur la Ligue des champions de la CAF avec la rencontre sans but entre le Congolais de Mazembe et les Tunisiens de l'Espérance de Tunis. Pour la consoeur, Mazembe avait les atouts face aux adversaires à qui la presse tunisienne attribue une certaine fatigue consécutive à un calendrier fort chargé. Le même journal s'est intéressé également à la qualification pour la CAN 2013 des Léopards Juniors aux dépens du Cameroun, 4-1. Et puis dans la prospérité, le programme du mois d'octobre pour les tarmacs des auteurs est affiché. Il s'agit entre autres du cinéma, la langue française, la rumba congolaise. Voilà pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivie.